De nombreux prix sont remis traditionnellement au cours du Festival international de géographie. Le prix Amerigo Vespucci vient récompenser des ouvrages portant sur le thème de l'aventure et du voyage. Il a été remis samedi après-midi à Olivier Weber, que Pierre Demarco a eu le plaisir de rencontrer. Olivier Weber, bonjour. Bonjour. On vous connaît universitaire, diplomate, grand reporter. On vous reçoit aujourd'hui en tant qu'écrivain. Vous pouvez tout d'abord nous rappeler brièvement votre parcours ? Mon parcours, bien, je suis écrivain et plutôt écrivain sur les voyages, à la fois en récit de voyage et puis en roman. Et puis deuxièmement, en grand reporter, parce que j'ai fait 20 ans de reportage de guerre, surtout sur l'Afghanistan, l'Irak, les territoires palestiniens, les mouvements de libération en Afrique. Donc voilà, ça m'a amené à séjourner avec une quinzaine de mouvements de guérilla et de couvrir pour des journaux britanniques et français une vingtaine de conflits de guerre. Hein. Voilà, c'était mon combat, on va dire. Et maintenant, j'en ai un nouveau, puisque j'ai été nommé ambassadeur itinérant sur tout ce qui est société civile, esclavage, droits de l'homme, etc. Donc, je suis ambassadeur de France et je voyage soit aux Nations Unies pour délivrer des discours et essayer de concocter des résolutions sur les droits de l'homme et autres, soit sur le terrain en Afrique ou ailleurs pour voir ce qui se passe avec les ONG locales et essayer de trouver des solutions en matière d'esclavage, de trait des êtres humains, de toxicomanie également et d'autres sujets aussi. Voilà. Justement, comme on sait, le thème de ce 22e FIG est l'Afrique, un continent que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous inspire l'Afrique d'aujourd'hui, que ce soit au niveau économique ou social ? Alors, je dirais que c'est une terre d'espoir, c'est un continent où il y a un formidable potentiel de croissance à tous les niveaux, croissance économique, un développement aussi des ressources humaines. Bon, malheureusement, évidemment, il subit certains fléaux au niveau pathologique, au niveau de la fuite de cerveau qui est un autre fléau également, la corruption, etc. Et je pense que la communauté internationale doit continuer à porter ses efforts. C'est une terre d'espoir néanmoins. Et puis l'Afrique, c'est un continent plein de vie, donc évidemment c'est très riche, c'est très enrichissant de pouvoir se promener en Afrique. On l'a vu tout à l'heure, vous avez reçu donc le prix Amerigo Vespucci pour le livre La Barbaresque aux éditions Flammarion. Ce roman a pour toile de fond la piraterie en Méditerranée au XVIe siècle. C'est une période de l'histoire qui vous intéresse spécialement ? Oui, c'est une période fabuleuse. C'est surtout la riche vie de Cervantes qui, à 27 ans, est capturé par les barbaresques et qui se retrouve à Alger pendant 5 ans avant d'être repris par sa famille contre 500 écus d'or, contre une rançon. Et pendant ces 5 ans de captivité à Alger, qui est une très très belle ville déjà, s'étendant en arc de cercle sur la Méditerranée, adossée à la montagne, Cervantes va connaître la passion, il va connaître l'amour même avec la belle Zora. Alors ça, c'est le travail de romancier qu'on a inventé, ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais en même temps, et c'est ce qui m'avait frappé dans les livres, j'ai lu à peu près 50 livres en français, en espagnol, en anglais sur cette période-là et sur la vie de Cervantes. Et en fait, Cervantes, lorsqu'il est libéré au bout de 5 ans, demande au roi d'Espagne, Philippe II, qu'il le retrouve à Madrid, le droit de revenir en Algérie. Et pourquoi ? Bon, on peut penser que c'était pour retrouver sa bien-aimée. Mais Cervantes, lorsqu'il était détenu, s'est inventé une mission de concorde, en fait, pour essayer de rapprocher les deux peuples du nord de la Méditerranée, donc plutôt les chrétiens, et puis les peuples musulmans du sud de la Méditerranée. Alors j'ai écrit ce livre, il est paru donc en pleine révolte arabe, du printemps arabe, et je me disais que c'était de bon augure parce que ce qui se passait déjà à l'époque au temps de Cervantes se révèle aujourd'hui avec ces révolutions en marche qui ne sont pas finies, qui sont loin d'être finies, en espérant qu'elles se concrétisent et qu'elles aboutissent aussi à une efficacité de la lutte contre la corruption, contre les prédateurs. Mais ce potentiel de révolution contre les raïs, donc contre les maîtres du Maghreb, se trouvait déjà en germe au temps de Cervantes. Donc voilà, c'est un peu la filiation entre Cervantes d'alors et les jeunes des pays du Maghreb d'aujourd'hui. Et vous-même, vous vous considérez comme un écrivain engagé ? Alors, j'aurais du mal à dire cela, ça serait prétentieux, mais je pense que quand on est journaliste, grand reporter ou écrivain, on a une fonction de témoignage. Je ne pense pas que les livres et les articles changent la face du monde. Quelquefois, ça peut contribuer à la marge aussi à expliquer le monde et peut-être à trouver des solutions. Mais on a tous des engagements et c'est sûr, le mien, c'est plutôt
essayer de témoigner, de relayer une parole, que ce soit par les récits de voyage, par les romans. Je pense que les romans expliquent beaucoup la réalité du monde qui est de plus en plus compliquée, qui est de plus en plus rapide, et par les articles. Et cette littérature sans frontières, parce que pour moi, il n'y a pas de frontières, de bornes entre le journalisme, le grand reportage et puis la littérature, qu'elle soit de documents, donc de récits de voyage ou de romans. Et dans un monde où tout va très vite, un monde globalisé, un monde où on croit tout connaître, et en fait on est loin d'être dans un village planétaire, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux que les peuples gardent leurs particularités. Je crois que malheureusement, trop souvent, on a tendance à mal voir l'autre côté du monde, et quand on voyage, on a peut-être trop tendance à fermer les yeux sur les peuples qu'on devrait être amené à croiser. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans la rencontre, dans le témoignage, que ce soit encore une fois par le livre ou par le reportage. Donc voilà, mon modeste engagement, il est de ce côté-là. Et vous, futur journaliste ou futur technicien ou réalisateur de télévision, si j'ai bien compris, c'est ça ? Eh bien, vous avez du pain sur la planche, et que ce soit par les nouveaux médias ou pas, les nouveaux moyens d'information ou pas, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'aventures humaines et utiles encore à vivre de par le monde. Pour finir, j'aimerais savoir quels sont vos projets à venir ? Alors mes projets à venir, c'est continuer dans la veine, d'abord de mon travail d'ambassadeur itinérant, et puis deuxièmement des livres. Je viens de publier un livre sur Conrad, qui est une biographie, en même temps un récit de voyage, et puis j'ai un autre livre déjà en préparation. Voilà. Je ne peux pas trop en parler, mais il est sur le feu, comme on dit. Voilà. Et puis après, toujours des voyages, donc je continue avec des documentaires aussi sur le terrain, une série qui s'appelle Le Monde vu du train sur Voyage, qui se passe ce soir même d'ailleurs sur la chaîne Voyage. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bon festival. Bon vent. Ouais, merci.